Les amis, bonjour, c'est Colette. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Bon, moi, ça va, hein? Bon, voilà, je suis pas loin de mon lieu de travail. Voilà, je voulais vous faire un petit coucou. Voilà, là, c'est la période des vacances, mais moi, je travaille toujours. Bon, voilà, comme on dit, prête à aller au front. Bon. Alors, je voulais faire donc un petit coucou à toutes les personnes, si vous voulez, bon, bien sûr, qui me suivent dans le monde entier, comme vous le savez, depuis plusieurs années. Donc, en particulier, bien sûr, donc tous les fidèles du groupe, donc Aimer mon Afrique d'avenir, ainsi que tous les autres groupes, voilà, que vous connaissez, voilà. Donc bon, c'est toujours un plaisir de recevoir donc des encouragements, etc. Voilà. Et puis bien sûr tous les autres groupes où je suis ou administratrice ou modératrice. Donc African Traditional Heritage, voilà, l'Observatoire de la Côte d'Ivoire, Mada Africa, etc. etc. Bon voilà. Je vous ai promis il n'y a pas très longtemps donc. Une vidéo sur le sport. Voilà, je n'oublie pas. Parce que tout simplement, j'ai pas eu trop le temps. Voilà, mais bon, je n'oublie pas donc une vidéo sur le sport. Comme je vous l'ai dit donc dans la précédente vidéo, j'ai fait en fait. Donc une vidéo pour parler donc de problèmes de poids. Bon, malheureusement, bon voilà, c'est c'est récurrent et tout. Donc bon, j'essaye de maintenir le régime. Ce n'est pas très très évident. J'ai perdu 5 kilos. Donc ça fait quand même du bien, on le voit, on est moins essoufflé, voilà, on marche mieux, etc. etc. Voilà, et puis. Voilà, j'essaye de manger, on va dire, pas mal de légumes, etc. Donc, des protéines. J'avais commencé donc un régime à base de protéines qui fait vraiment dégraisser, c'est-à-dire qui permet quand même de perdre du poids au fil des jours. Bon, c'est pas très très évident, mais bon, voilà quoi. Donc là, je suis plutôt maintenant sur les légumes. Bien sûr, on arrête bien sûr le pain, on arrête les féculents, donc les pommes de terre, le riz, etc. Ben, voilà. Voilà quoi. Donc ça me fait énormément de bien. Je me sens légère. Là, je ne peux pas trop, voilà, vous montrer. Donc voilà, vous voyez, je vais juste peut-être regarder, voilà, qu'on voit un peu le ventre. Je ne peux pas trop pivoter. Mais voyez, donc voilà. Là, on ne peut pas trop montrer là. Voilà. Donc c'est vraiment bien parce que vraiment ça fait vraiment donc du bien quoi. Voilà, c'est léger, etc. etc. Voilà. Bonjour, bonjour Angèle. J'espère que tu te portes bien. Merci beaucoup donc pour ton aide, Angèle. Je voulais profiter donc de la vidéo pour te le dire. Merci vraiment pour ton aide au sein du groupe Aimer mon Afrique d'avenir. Donc Lalao Angèle Vaviana, donc qui est donc notre modératrice originaire donc de Madagascar. Merci à toi Angèle, merci beaucoup. Voilà, donc je parlais donc de régime, donc un régime à base donc de protéines, à base d'œufs, donc 2 œufs donc dans la journée. Voilà, éventuellement quand on a faim, donc prendre des biscottes très pauvres en sel, voire sans sel. Voilà, donc un yaourt 0%, du fromage 0% également, mélangé donc à du son d'avoine, donc le soir éventuellement. Tout ça, c'est pour donc le transit intestinal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un régime trop riche en protéines, il peut y avoir donc des problèmes, si vous voulez, de transit. Donc, c'est bien de prendre quand on n'est pas bien ou quand on n'est pas allé à la selle pendant plusieurs jours. Prendre donc vraiment des légumes, voilà.
Prendre également un fruit aussi, c'est important. Quand on se sent fatigué, on peut prendre par exemple donc une pomme, on peut prendre par exemple une orange. Voilà, c'est très très bien. Il faut aussi un peu de sucre dans le sang, ne pas rester. Et puis en sachant bien sûr que quand on est malade, notamment quand on a le diabète, ben, il faut éviter quand même certains, voilà, il faut justement il faut éviter donc l'absence justement de certains fruits. Il ne faut pas non plus que le corps reste sans sucre. Voilà. Donc ce que je pouvais donc vous dire. Je continue, c'est pas évident, surtout quand on travaille et tout. Dans la journée, on a des petits moments de fatigue, mais globalement, ça fait quand même du bien. Voilà, on se sent léger, on se sent beaucoup mieux. L'objectif, c'est de perdre peut-être à terme, peut-être une dizaine de kilos. On verra ce que ça va donner. Voilà. Voilà. Merci encore donc pour le soutien. Voilà, merci vraiment pour votre fidélité. Voilà, c'est ce que je pouvais dire. C'était juste une petite vidéo pour vous saluer. Voilà. Et puis ben on se dit donc à très très bientôt. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Bon courage à tous. Et puis voilà, voilà, à très bientôt les amis. Merci. Au revoir.